à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la guerre qui continue entre Booba et la GLC Family. Depuis quelques jours, le rappeur a pris pour cible Jazz et Laurent. Se réjouissant de la suppression du compte Instagram de Laurent, il l'avait clashé plusieurs fois sur Twitter. Booba s'en était également pris à Jazz en se moquant, entre autres, de son physique. Et ce week-end, Booba était à Dubaï pour donner un concert dans une boîte de nuit. Remonté contre lui, Laurent est allé l'attendre à l'aéroport. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé sur son canal Telegram. Il s'est filmé en direct de l'aéroport de Dubaï en adressant un tacle au rappeur. Ce dernier lui a répondu à sa manière. Et alors que Booba avait accusé Laurent de mentir au sujet de sa voiture coûtant plusieurs millions d'euros, le mari de Jazz a réagi en qualifiant le rappeur de jaloux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Billionnaire, viens nous chercher, billionnaire. Viens nous chercher au Chiron. Quel bail. Booba, mon Booba, je suis à l'aéroport avec le Chiron. Je suis totalement venu te récupérer. T'es où? Quel bail. Quel bail. Hey, j'étais là, hein, je t'ai attendu. Je suis venu te récupérer avec la Chiron, mon gars. Ah ouais, on était là. Parce que nous, on a 27 ans, mais on est sûr là. On est là, on est déter. On n'a pas 46 ans, on n'est pas des grands darons. Vous voyez, t'as pas passé l'âge. T'as pas encore passé l'âge. Moi, c'est mon délire, on peut continuer toute la journée. Parce que je t'ai jamais qu'à là. Je t'ai jamais, au nom de Dieu, donné l'air. T'es un artiste que je respecte. T'es un daron que je respecte. T'as quand même 46 piges. Mais là, sérieux, tu penses trop. À partir du moment où tu forces, on est obligé de rentrer dedans. Non, mais sérieux, tu forces trop. Carrément. Donc on est là carrément, on est là, puis on va boire un thé ensemble, mon famille vous fait des blagues. Eh, moi j'aime à rigoler, j'aime que la joie pas chère. Je suis là sur cette terre, au nom de Dieu, que pour rigoler tous les jours, pour rigoler et faire plaisir. Donc continue à amener de la joie et la bonne humeur, on va rigoler ensemble. Mais putain, sérieux, frère, t'as 46 ans, réveille-toi. C'est quel putain d'exemple, c'est dommage. T'étais un artiste à l'époque, c'est dommage.